Les patrons dans la rue, ce n'était plus arrivé depuis la loi sur le travail des 35 heures. Ils sont venus de toute la France pour crier leur colère. Le mouvement est très suivi, toutes les branches professionnelles sont représentées. Dans les Yvelines, chefs d'entreprise et syndicats sont nombreux à avoir répondu à l'appel de la CGPME, notamment dans les secteurs du bâtiment. On était entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire aussi mener sa vie et mener son entreprise. C'est plus le cas du tout. Donc là, vraiment, il y a le ras-le-bol. Je voudrais bien céder mon entreprise. J'ai formé plein de gens pour ça et il n'y en a aucun qui veut reprendre. Ils sont écœurés. Et même moi qui avais la foi, je commençais à être écœuré. Patrons de petites ou moyennes entreprises, ils protestent tous principalement contre trois réformes. Le compte pénibilité, l'obligation d'information des salariés avant toute cession d'entreprise et le plafonnement du temps partiel à 24 heures. Mais c'est aussi un véritable cri d'alarme pour ces dirigeants de TPE et PME, ces entreprises qui représentent plus de 98% des sociétés françaises. Concernant la boulangerie, surtout dans tous ces métiers-là, si vous voulez, concernant les petits emplois qui sont souvent des étudiants, ça les aide en fin de semaine pour quelques heures de travail. Et aujourd'hui, un minimum de 24 heures, il y a des entreprises qui ne vont plus embaucher du tout. Qui va prendre le flambeau? Qui va vouloir devenir entrepreneur dans un pays où on est surtaxé, où on n'en peut plus, on croule sous la fatigue, on a la peur au ventre quand on va interroger nos trésoreries? Donc là, ça suffit. Banderoles, chants et cadenas, si les patrons manifestent peu, aujourd'hui ils ont vu les choses en grand afin de faire passer leur message et d'être sûrs de se faire entendre par le gouvernement. Nous sommes à Paris, dans le 13e arrondissement, devant le ministère de l'économie. C'est ici le point de convergence de cette manifestation organisée par la CGPME. Elle a rassemblé plus d'une trentaine de syndicats de patrons de TPE et de PME venus de toute la France. Alors point d'orgue de cette manifestation, dont le slogan est « Cadenas assez », la pose de cadenas sur ces grilles que vous voyez derrière moi, un signe fort pour des patrons venus montrer leur colère et leur mécontentement au gouvernement. Toute cette semaine, d'autres actions devraient être menées.